Tu devrais te scotcher la bouche pendant la nuit, parce que respirer par la bouche quand tu dors augmente les caries, la mauvaise haleine et la plupart des gens qui ont une gencive rouge, enflammée et saignante le sont à cause d'une respiration buccale et non nasale. Donc scotche-toi la bouche pour ne respirer que par le nez, car c'est bien plus bénéfique pour toi. Tu te réveilles plus frais, plus en forme, la bouche saine et non pâteuse. Et surtout, tu as permis à ton corps et tes cellules d'être oxygénées de la meilleure des manières qui soient, c'est-à-dire par le nez. Parce que l'air, donc la respiration, est la première nourriture à nos cellules, avant l'eau et l'alimentation. Mais seul le nez a la capacité d'ajuster parfaitement l'air qui rentre dans ton corps, grâce à ce qu'on appelle les cornets que l'on a dans le nez et qui, eux, vont permettre de réguler la température de l'air, agir comme des antibactériens et antivirus et te permettre d'avoir une air pure et à la bonne température pour tes poumons. Ce que la bouche ne peut pas faire.